l'Assemblée nationale. Plus que c'est tous ces drapeaux européens. Là, on voit un petit bout de l'église de la Concorde. Ça commence le Louvre en fait. Peut-être c'est l'orangerie. Là, si je me rappelle bien, ça s'appelle la passerelle des arts. Mon père aimait beaucoup venir peindre là. Là, c'est l'ancienne gare d'Orsay et le musée du même nom. Degas à l'opéra. Je crois que j'aurais pas le temps d'y aller. Alors maintenant, on est un petit peu de l'autre côté de Notre-Dame et je pense qu'on va la revoir. Voilà, Notre-Dame.
surprise quand même. Quel dégât. Voilà, les Champs-Élysées, je vais les remonter un petit moment. Partout. Je peux même encore traverser. Magnifique, magnifique. Il y a beaucoup de vélos dorénavant à Paris. Voilà, alors donc je remonte, je parlais des Champs-Élysées, je ne descends pas. Évidemment, c'est beau. Je prends ce petit moment pour moi avant le départ. Ça a très vite passé parce que j'avais un rendez-vous important, en tout cas pas habituel. Et puis, ben voilà. C'est aussi des jours spéciaux puisque il y a une grande grève. Thank you.
photographie un peu les films qu'il y a. Les Misérables, J'accuse. Bon, allez, regarde. La brioche dorée, ça sent. Voilà, maintenant j'arrête un peu parce que j'ai un peu peur. Voulez-vous qu'on aille vers le haut? C'est pas possible. Les petits se battent entre eux, c'est pas logique. Les gens, les uns contre les autres. J'ai failli rater ça. Il y a une patinoire en haut. Des galeries Lafayette. Incroyable. Ça donne presque le vertige d'être là. Voilà. Et puis derrière l'opéra, la petite tour, c'est la tour Montparnasse. L'opéra en grand. Là, je continue la visite. On fait tout le tour. Les gros bâtiments, au loin là-bas, il y a un endroit où il y a la rue. Ça correspond au Louvre, plus ou moins. Donc voilà. Voilà. Voilà, et on voit les statues au-dessus de l'opéra. Ouais, c'est une belle visite au moins. Il y a le Sacré-Cœur, on voit vraiment tout Paris. J'avoue qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, peut-être le Sacré-Cœur. Il y a toutes les tours, enfin, tout ce qu'on a construit. Évidemment, on n'est qu'entre touristes, ce qui n'est pas plus mal. Et me voilà sur les grands boulevards aux Galeries Lafayette. Laissez la chanson de Jacques Dutronc, là, je suis sédentaire. Ben voilà, là, voilà. Avec les illuminations de Noël. C'est beau. C'est axé, il y a le miel d'acacia. Donc, je fais un petit clin d'œil à une de mes amies qui fabrique du miel. Si elle regarde ce film, elle saura que j'ai pensé à elle. Et ça, c'est toute la maison des abeilles. C'est trop mignon.
Alors, je vais le remettre. Là, je suis dans le quartier Opéra maintenant. Donc, évidemment, je viens à l'Opéra. Mais il y a le Café de Paris là qui est en travaux. Et puis par là, il y a l'Olympia qui va à la Madeleine. Et là, il y a la Tour Vendôme où il y a tous les gros bijoutiers. Et là, il y a l'avenue en fait, de l'Opéra, où il y a toutes les boutiques chics. Et un peu plus loin encore, vous avez la rue qui mène à l'Élysée et où il y avait, en tout cas avant, toutes les boutiques chics. Alors il y a beaucoup, beaucoup de monde et ça surprend. À la fois, il n'y a que des étrangers, évidemment. Vu toutes les grèves, il n'y a que pour étrangers. Voilà, je suis chez Lancel, par exemple. Je ne vais pas acheter quelque chose, bien sûr, mais c'est des sacs que je n'aurais pas dîné. C'est de la bonne qualité. Là, c'est le haut de l'Opéra. C'est magnifique, évidemment. Et derrière l'Opéra, il y a les grands magasins. C'est le bout de ma promenade, en fait. Voilà, je suis à l'Opéra et je vois les boutiques de Galerie Lafayette. Alors, je ne vais pas beaucoup parler parce que je préfère montrer les images. J'espère que ça va être un beau séjour, malgré toutes les manies, les grèves et tout. Beaucoup de marche à pied. Voilà, c'est de magnifique. Il y a plein de monde. Le thème, à mon avis, le thème, c'est les abeilles cette année. C'est magnifique. Allez, viens, Raphaël. Belle vitrine. Quels sont les enfants? Il y a le gâteau de Gainsbourg. Il y a un beau gâteau de Gainsbourg. Magnifique. Il est tout en bas. Oh, les petites abeilles. Là, c'est tous les 5 ans. Évidemment, à chaque fois, il y a un but publicitaire, mais ça reste magnifique. Trop beau. Oh, que sont les mires. Elles sont dans leur case. Puis là, en fait, je pense à la publicité pour les mires. Une marque comme ça. Oh, c'est joli la vue. Derrière l'Opéra.
Allez, on y va. Alors là, maintenant, je suis quand même au printemps. La reine des reines. On voit bien comment c'est dans les galeries de la famille. Mais c'est très très beau. Et c'est le thème de la reine. Alors je pense que là il s'agit de l'église que je voyais quand j'étais toute jeune, du bout de Beaubourg, et puis ils ont tout construit au-dessus évidemment, donc on la voit moins vite, mais elle n'a pas changé heureusement. Là, j'arrive vers un objet non identifié, on va voir ce que c'est, on dirait une soucoupe volante. Ça a l'air sympa mais j'ai aucune idée de l'endroit. On va voir ça. D'ailleurs, ça fait partie Voilà, là je suis dans le quartier idéal, je passe vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Sympa quand même, vraiment sympa. Bel éléphant. Donc arrêter ma collection. Voilà Beaubourg. Et me voilà l'affiche. C'est sympa, non? Là, c'est quelque chose de très ancien, les bains douches municipaux. Et voilà encore Beaubourg. De l'autre côté. Et là, il y a le drapeau français qui flotte, je ne sais pas pourquoi, en fait. Voilà. Là, c'est le boulevard Sébastopol, il y a toujours eu du bruit. C'est un quartier bruyant. Qu'est-ce que tu fais quoi à Hérola? C'est ma petite promenade, ça s'est pas stoppé, mais tant pis. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans l'église que je voyais quand j'étais jeune, dans l'église Saint-Eustache. Je vais faire un petit tour avant. Voilà, ça fait du bien, un petit lieu calme, qui a l'air joli, très très beau. Il me semble que je suis jamais rentrée là. Commune au cours de la France.
Alors là, on annonce un concert d'or, donc je vais rester 5 minutes. Je vous souhaite un agréable concert. Merci. Je crois que les orques qui vont jouer, c'est celles qui sont là. On va voir tout de suite. Et voilà, ça commence. Thank you.
Je ne m'attendais pas à passer par là, mais comme c'est assez connu, je vais y aller. Dire que c'est dimanche, donc presque tout est fermé.